Bonjour. Fatima et moi avons décidé de travailler sur la littérature algérienne d'expression française, d'exil et l'apprentissage de la langue française. Ce sujet nous a motivés parce qu'on a grandi tous les deux avec cette littérature maghrébine d'expression française et on vient tous les deux de la même culture. Afin de constituer notre corpus, nous avons défini des thématiques bien précises sur lesquelles on va travailler. Donc, c'est l'émancipation de la femme, la langue française en tant qu'instrument d'expression et d'émancipation et son impact culturel sur les auteurs algériens contemporains et le bilinguisme. Les auteurs que nous avons choisis sont tous des auteurs algériens. On a Assia Djebbar, Meïssa Bey, Malik Bennabi. Les œuvres sur lesquelles on va travailler, c'est Hayzia de Meïssa Bey, Ombre Sultane de Assia Djebbar et Le problème des idées dans le monde musulman de Malik Bennabi. Et nous avons rajouté également une interview et un entretien. En fait, le choix des œuvres s'est fait par rapport au thème sur lequel on va travailler. Assia Djebbar, Meïssa Bey sont parmi ces auteurs qui ont évoqué la cause de la femme en Algérie. Elles ont fait de la femme le thème central de leurs œuvres. Elles sont engagées dans un combat pour l'émancipation de la femme et pour la libération du corps féminin. Tandis que Malik Bennabi, il a travaillé sur le bilinguisme et c'est parmi les premiers auteurs qui a évoqué le problème ou le phénomène dans sa profondeur. Et on a par la suite rajouté quelques extraits pour illustrer notre travail et le thème qu'on a abordé.